Salut à tous, c'est Vince pour le montage de la MRET. Nous en sommes à la partie 7. On est sur le début là, de la direction. Donc on nous demande de venir fixer notre petit kit qu'on a monté au préalable là. Vous savez, avec le renvoi. Le voilà. Donc là vous avez le kit standard. Avec vous savez les petits triangles là. Avec les triangles plastiques. Ok. Et ça c'est la partie avec les pièces options, c'est-à-dire ici. Le renvoi de direction en alu, les triangles en alu, la barre anti-roulis et par exemple la barre de chasse avec 4 ergos. Donc ça c'est les supports servo aussi option alu. Je ne sais pas si Atomic a mis à jour les listes de pièces options, mais bon le train avant, tout ce qui est train avant, ouais, c'est les mêmes pièces que MRZ hein, les amis. Allez pas chercher. Plus loin, donc ça vient comme ceci, impeccable. Là, ici, c'est OK. Ensuite, nous attaquons les fusées. Alors, les fusées ont changé, me semble, par rapport à la MRZ. Oui, les fusées, c'est plus du tout les mêmes. Donc, époule. Roulement épaulé des deux côtés. Hop, en voilà un. Là, vous pouvez pas tromper, roulement épaulé, il n'y a qu'un modèle dans le kit. En voilà deux. Alors, on pourra peut-être les mettre après parce que là, au fur et à mesure que je vais manipuler, ils vont tomber. Donc, on va passer directement ici où il nous demande un bel empilage. Alors, les vis CHC, donc CHC, 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 ah ben, elles sont là. Une, deux, des rondelles, il nous en faut 4 par truc, par fusée, une, deux, 8, et l'échappe longue, les rotules là. Là c'est pareil, vous ne pouvez pas tromper, il n'y a qu'un modèle qui ressemble à ça. Donc il n'y a pas de fusée gauche, fusée droite, ça c'est un bon point. Quand on casse et qu'on achète une paire, on a deux fois la même pièce du coup. Wow, wow, wow. Reste tranquille. Alors. Donc je visse par en dessous. Ok, je serre un peu. Je mets mes 4 rondelles. Ok, 1, 2, 3, 4. Je mets une goutte de frein filet. Ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas redérégler. Et je viens visser ma rotule. Ah, là, j'ai du M27 qui va bien. Ok, donc ben, je vous dis à de suite pour le montage de la MRT. Nous en sommes à la partie 8. Allez, salut!